Merci beaucoup, merci Bernard, merci à vous toutes et vous tous d'être là. Je voudrais partager un moment que j'ai vécu aujourd'hui. En fin de matinée, j'ai pu échanger avec Vitali Klitschko, mon collègue maire de Kiev. Nous avons pu échanger par vidéo et je l'ai vu, je l'ai entendu. J'ai entendu à la fois la force, le courage qui est le sien, aux côtés, comme cela a été dit tout à l'heure, aussi du président Zelensky. Ce courage, cette force d'un maire qui est un combattant, qui est engagé dans le combat d'une résistance dans sa ville. Et lorsque je lui ai parlé tout à l'heure, il m'a dit surtout, surtout, Anne, dis à tous les Français, dis à toutes celles et ceux à qui tu peux parler, qu'on ne nous laisse pas tomber. Il faut vraiment que les sanctions contre Vladimir Poutine, contre Moscou, que l'action de l'Union européenne, que l'unité de l'Union européenne, que toute cette aide qui est nécessaire, à la fois ces armes qui sont nécessaires pour que cette résistance puisse aussi s'organiser, cette défense du peuple ukrainien puisse s'organiser, que tout cela vienne, que tout cela nous parvienne. Et il m'a dit... Peut-être que demain, il sera trop tard. Et je vous le dis ce soir avec beaucoup d'émotion. Je pense à lui. Je pense à lui parce qu'en ce moment même, Kiev fait l'objet de cette offensive, cette bataille. Cette bataille qui est la nôtre. Je lui ai dit. Je lui ai dit ce qui arrive au peuple ukrainien, cette bataille dans laquelle vous êtes engagé contre ce dictateur russe, contre cet homme qui veut mettre un terme à l'Europe, à la démocratie, dont on ne sait pas jusqu'où il va aller, mais on voit qu'il n'a plus aucune limite. Je lui ai dit, nous sommes non seulement à tes côtés et aux côtés du peuple ukrainien, et pour moi aussi, maire de Paris, aux côtés de cette ville de Kiev, cette capitale de l'Ukraine, nous sommes à tes côtés et en nous résonne ce combat, parce que ce combat est le nôtre. C'est le combat pour la démocratie. C'est le combat pour l'Europe. Je suis une femme de gauche, républicaine, universaliste, européenne, humaniste. Ce combat est le mien, il est le nôtre, mes amis, nous le savons. Parce que ce qui se joue en ce moment même, en Ukraine et à Kiev, c'est bien sûr aussi notre liberté. C'est cette liberté parce que Poutine, ce dictateur, a décidé d'en finir avec la liberté des autres. Cela fait des mois, des années qu'il provoque, qu'il va aux limites du droit international. Et là, il les a franchies. Il a franchi les limites du droit international. Il a franchi cette limite que nous posons comme un absolu, le droit à l'autodétermination des peuples. Le droit à chaque peuple de pouvoir décider de son avenir. Et il se trouve que ce peuple ukrainien décide que son avenir est en Europe. Il le dit, il le clame. Il a d'ailleurs déjà fait preuve de ce courage à Maïdan. Il a fait preuve de ce courage en disant que pour lui, cette adhésion à l'Europe, aux valeurs qui sont les nôtres, était plus forte que tout. Et c'est ce qui les fait tenir aussi. Alors leur bataille est la nôtre. Dire cela, ce sont des mots, cela veut dire, bien sûr, se battre pied à pied pour que les sanctions qui ont été prononcées, et pour la première fois, l'Europe est totalement unie. Et je le dis ici, je suis candidate à cette élection présidentielle, mais je suis dans cette unité avec l'action du président de la République, avec l'action de l'Union européenne, pour mettre un terme, pour bloquer, pour isoler Vladimir Poutine et permettre à l'Ukraine de retrouver le chemin de sa liberté. Et le chemin de cette liberté, l'Ukraine la veut en Europe et nous devons les accompagner. Nous devons les accompagner aussi sur ce chemin-là, sur ce chemin de l'Europe. Parce que l'Europe, c'est aussi ce modèle démocratique que nous portons. Et je le dis avec beaucoup de force, nous avons entendu des propos inacceptable, inadmissible. Les masques sont tombés. Les masques d'une extrême droite qui courait après Poutine,
qui attendaient de lui, cet homme fort, soi-disant, qui était le symbole de ce qu'ils considéraient comme le gouvernement le plus abouti sur la planète. Et puis, il y avait cette extrême gauche. Elle est là, toujours, expliquant encore tout à l'heure au Parlement qu'il faut tout faire pour qu'il y ait la paix. Oui, mais la paix, ça ne veut pas dire renoncer à se battre contre l'oppresseur. La paix, on la conquiert. La paix, on la conquiert et sa liberté, on la conquiert. Nous le savons. Et ce qu'en font aujourd'hui les Ukrainiens est cet appui qui est celui de l'Europe, celui de la France, celui aussi, bien sûr, de nos alliés au sein de l'OTAN. Cet appui-là est fondamental. Il y aura un avant et un après. Et les masques sont tombés. Et je vous le dis très clairement, dans ce moment très grave que nous vivons, dans ce moment où nous sentons tous ici, à Paris, partout en Europe, que tout peut basculer. Parce que nous sommes face à un homme qui, bien que totalement isolé aujourd'hui, avec les sanctions économiques, avec les mesures, les décisions courageuses qui ont été prises d'acheminer des armements pour que les Ukrainiens puissent se défendre, eh bien, malgré tout, cet homme menace aussi nos libertés et notre modèle démocratique. Et ce modèle démocratique qui s'appuie à la fois sur l'état de droit, mais aussi sur le droit international, mais aussi sur le fait que non, les peuples ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi face à un autre peuple. Oui, qu'il y a des tribunaux internationaux. Oui, qu'il y a une possibilité de condamner un chef d'État, un dictateur qui plus est, pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité, lorsqu'il agresse un autre peuple. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Alors oui, les masques tombent. Et ceux qui étaient du côté de cette condamnation absolue d'un impérialisme américain, ceux qui étaient du côté aussi de la dénonciation, voire même de la haine de cette Europe et de la place de l'Allemagne dans cette Europe, eh bien cela, les masques sont tombés. Mais que nous propose-t-il ? Pas du tout un chemin ni de paix ni de démocratie. Alors dans ce moment très grave, je crois que nous sommes ici, nombreuses et nombreux, à nous soulever aussi aux côtés du peuple ukrainien, à dire que le courage qu'ils ont doit aussi nous inspirer. Et là, je vais vous parler aussi en tant que petite fille de réfugié espagnol qui était un républicain de la guerre d'Espagne. Je peux vous dire que lorsque l'essentiel est en jeu, il faut savoir se lever. Et souvent, dans un pays comme le nôtre, dans cette démocratie ancienne, dans cette république ancienne, on se comporte en enfant gâté. Comme si cette république, comme si cette démocratie ne pouvait pas être atteinte, affaiblie. Elle l'est déjà depuis plusieurs années par ces populismes qui la gangrènent, par ces facilités qui font qu'on dénigre, les institutions, on dénigre même le vote qui ne servirait à rien. Je vous le dis, dans le moment très grave qui est celui que nous connaissons aujourd'hui, il faut qu'il y ait un sursaut moral. Ici aussi, dans notre pays, que l'on considère que le droit, que la politique, que les institutions, que la démocratie, que la liberté à exprimer, bien sûr, des opinions, mais surtout à être respectueux de cette démocratie, c'est un devoir qui nous incombe. Et j'espère qu'il y aura aussi un avant et un après dans ce moment démocratique que nous vivons. Un avant et un après, pour que sur ce sursaut moral prenne le dessus sur tout ce que l'on a connu jusqu'à présent. Les masques sont tombés, nous sommes aux côtés du peuple ukrainien. En tant que maire de Paris, je voulais vous le dire aussi, nous sommes en train de nous organiser, d'organiser l'aide. Je sais que beaucoup de Parisiens m'ont déjà sollicité en me disant « Nous, on veut accueillir des réfugiés, y compris chez nous. Nous avons mis en place une cellule de crise. Nous allons recenser toutes ces possibilités-là. Nous avons, à travers le numéro d'appel de la ville, le 3975, cette possibilité dès demain, pas ce soir, dès demain, de pouvoir recenser toutes ces aides. Nous allons bien sûr nous coordonner avec l'État, parce que tout ça doit être organisé pour que cela puisse être efficace. Mais cette coordination, cette mobilisation de notre ville sera aussi un élément qui va me mobiliser dans les jours qui viennent. Et je sais qu'il vous mobilisera aussi. Nous serons là, nous allons dégager une aide de 1 million d'euros aussi immédiate pour pouvoir venir en aide aux Ukrainiens, à la ville de Kiev et à tous ces réfugiés. Et nous allons nous battre à leur côté pour que la démocratie en Ukraine,
la démocratie, pour eux synonyme d'Europe, soit aussi un message pour nous et un combat que nous partagions. Je vous remercie infiniment. Merci.